I've been sleeping late, and if I'm speaking honestly, my dreams are the only place. Thought of you can't bother me. And when I'm wide awake, it takes all of my energy to tell our friends we never been this happy. Hello! Donc aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. Je vais vous filmer ma semaine. Donc ça va être ma dernière semaine de travail de l'année. Parce qu'après je vais me prendre les deux dernières semaines de l'année un peu plus tranquille. Je vais quand même continuer de dessiner, de travailler un petit peu. Mais ça va être beaucoup plus soft que cette semaine. Cette fois-ci je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine. Non, c'est pas je vais essayer, c'est je vais me tenir à une vidéo par semaine. Donc cette semaine ça va être un vlog comme vous pouvez le voir. La semaine prochaine je vais sortir mon bilan de ma première année en tant qu'illustratrice. Du coup aujourd'hui j'ai regardé un peu ce que j'avais à faire, j'ai répondu à des mails. Donc ce matin j'ai sorti un concours, donc le dernier concours de l'année pour qu'une personne puisse gagner son propre portrait personnalisé. Et du coup le concours j'ai fait ça sous forme de Draw This In Your Style. Donc la personne doit redessiner une illustration que j'ai faite dans son style. Pour aujourd'hui je dois créer une nouvelle bannière donc pour ma chaîne YouTube. Quand la vidéo sera en ligne vous la verrez, donc vous pouvez aller voir sur mon compte, la bannière sera en ligne. Et je dois aussi travailler sur un logo pour une cliente qui est aussi ma très bonne copine Diana. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, ça va me prendre déjà pas mal de temps tout ça. Chaque matin de la semaine, de toute manière, je vais vous dire ce que j'ai prévu. Et voilà, c'est parti! Ok, donc je viens de rentrer de pause et là cet après-midi je vais travailler du coup sur les animations du logo pour Diana pour sa nouvelle plateforme Les Bonnes Copines. Donc en fait la semaine dernière j'ai créé son logo en entier et ensuite on a discuté, on voulait faire un logo un peu plus fun pour pouvoir le proposer comme un gif en fait. Et du coup cet après-midi je vais l'animer. Donc voilà, ça c'est le logo que je lui ai créé. Donc pour le logo complet, il y a aussi le texte en dessous, le nom de sa plateforme. Donc là, l'idée pour créer le GIF, ça va être d'animer les personnages et je pense aussi animer les petits points qu'il y a dans les bulles, comme si elles étaient en train de discuter pour écrire un message. En fait, je vais faire plusieurs tests, on va voir ce qui rend le mieux. Bon, et comme j'ai un peu du mal à filmer et travailler en même temps, parce que mine de rien, quand on filme, on a tendance à être un peu perturbé par la caméra et pas être très productif. Donc je vais vous filmer quelques scènes, mais je vais surtout vous montrer en fait le final, la fin. Je vais pas vous montrer le processus parce que ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo si vous voulez vraiment savoir comment j'anime sur Procreate. Waiting for the glass house to come down, waiting to hear that crashing sound, waiting for the right words to tell you how. I don't wanna be false heart, pretend we're picture perfect when we're breaking beneath the surface. I don't wanna be false heart, make love like we deserve it to cover up what's hurting. Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'heure de manger, c'est ça? Fin du travail. Viens, mon bébé. C'est parti. C'est parti? Oui, c'est parti. Thank you.
regarder qui voilà. Mon petit chaton. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, donc ce matin, c'est continuer les gifs de Diana. Donc j'ai terminé la version avec l'illustration complète hier, ce que je vous ai montré. Je suis plutôt fière, ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Et là, je dois créer donc des versions animées des textes, donc juste des gifs rapides avec les textes, les faire bouger un peu. Et ça va être beaucoup plus rapide. Et ensuite, cet après-midi, je vais dessiner pour la gagnante du concours de la semaine dernière. Et si j'ai le temps, je vais peut-être essayer de créer un réel aussi. Genre, ça fait un moment que j'ai envie d'en faire. Et j'ai jamais sauté le pas, donc on va voir. Ce matin, j'ai posté un Art vs Artist. Et je voulais essayer de la faire en version réelle. Donc, on va faire ça aujourd'hui. J'avais oublié de dézoomer pour le plan d'avant. Du coup, je suis désolée si vous avez vu un gros plan de ma tête. Hein. Petit aparté fini, on y retourne. Les textes, c'est vraiment tout simple à faire sur Procreate. Donc je pense que je vais m'amuser à en faire plein. Là, c'est un exemple. Il y a quand même une différence entre 6h30 sur un gif hier et là, sur une petite animation comme ça où j'ai pris même pas 5 minutes. 5 minutes, c'est même beaucoup trop. Quand je travaille. Donc là, je viens de compresser le dossier et dans le dossier, en fait, du coup, j'ai 8 gifs. Donc j'ai tous voulu les montrer et je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Ensuite, on a les plus simples avec juste le texte. Et finalement, je ne les ai pas fait entièrement sur Procreate. Enfin, le texte est sur Procreate, mais sinon, l'animation a été faite sur Photoshop. Parce que sinon, ça me rendait toujours un fond noir. Après, j'ai la version en noir, je ne vais pas vous le montrer. Je suis là. Aussi, la version en noir. Et ensuite, j'ai la version signature. Donc celui-là fun qui change de couleur. Celui-là qui s'affiche progressivement. Celui-ci. Et maintenant, je vais tout envoyer à Diana et j'aurai terminé avec son avec ses logos, avec son projet. Regardez-moi sa réaction parfaite. Je suis trop contente. Et voilà, maintenant je vais venir cocher. C'est fait. C'est son heure de gloire. Tu m'as pris cette vache ? Mais non. Tu m'as pris cette vache ? Mais avouez, on dirait une vache. Oui, je parle à la caméra. Mais non. C'est une vache. C'est une vache avec un long cou. Coucou, focus. Coucou, bon voilà ici, alors là on est en milieu d'après-midi, j'ai pris un peu mon temps ce midi, j'ai appelé ma soeur et on est resté pas mal de temps au téléphone. Et là j'ai décidé de tourner un réel, donc ça va être la première fois que je vais faire ça directement sur l'application, donc on va voir ce que ça va donner. C'est un gros fail, mon téléphone est tellement vieux qu'il n'a pas enregistré, il s'est mis à planter en plein milieu de mon réel. Je suis dégoûtée parce que ça faisait une demi-heure, une heure que je bossais dessus. Du coup, ben, je vais le faire mais avec cette caméra. Et je vais faire le montage sur Premiere Pro, tant pis. Et j'essaierai aussi de vous intégrer du coup le réel directement dans ce vlog juste après. Comme ça vous pouvez le voir. Ça va être tout simple hein. Like a waterfall, trees on the moonlight. Like a waterfall.
déjà nuit et je viens juste de poster mon réel. Il est 17h38 et la luminosité du coup est dégueulasse. Du coup, ce que je devais faire cet après-midi, c'était dessiner pour la gagnante du concours de la semaine dernière et j'ai pas encore commencé. Il va vraiment falloir que je le fasse parce que j'ai pas d'autre place dans l'emploi du temps pour le caser. Donc je vais faire ça ce soir, je vais travailler un peu plus tard. Mais c'est pas grave, en même temps j'ai pris beaucoup plus de temps ce midi pour faire ma pause, donc c'est un peu de ma faute. Mais je l'assume totalement. Je crois que je vais aller prendre ma douche avant, je vais me mettre en pyjama puis je vais me caler dans le canapé pour dessiner, ça va être plus sympa. Bon les gars, comment vous trouvez mon nouveau look? Avouez, j'ai la classe. Mais voilà, je vais m'installer ici pour dessiner, on va être bien. Regardez-moi cette beauté. Mes premiers croquis ressemblent toujours à ça. Est-ce que je vous fais une transition à la TikTok? Allez. Mais qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, ça va être le dernier jour où je vais filmer ce vlog. Jeudi, j'ai pas grand chose à vous montrer de plus. Vendredi, ce sera le montage du vlog en entier. Donc pareil, il y aura pas grand chose à vous montrer. Et puis samedi, je pars sur Paris. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est créer l'illustration animée pour l'introduction. Donc celle que vous avez vue à l'introduction de la vidéo. Tiens, d'ailleurs, pour changer un peu, je pense que je vais passer par les stories. Aujourd'hui on est mercredi et du coup ceux qui me suivent sur Instagram auront potentiellement déjà vu les stories, mais je vais vous les reposter juste après, comme ça vous verrez le processus. I know you heard it, cause I said it with purpose, and you know that I know you feel so good. I know that it's worth it to be the smoothest I can be. Although you've heard it before, I know you cannot ignore the feeling of it from three. I just wanna slow things down for a minute. Bon, comment vous dire que j'ai clairement sous-estimé le temps de création de cette animation. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire seulement l'illustration complète en fait, mais pas animée. Du coup, demain, bah, je vais passer une grosse partie de la journée à animer. Da 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 da.